Ah, écoute, ses palmiers, ses plages, son air pur et ses bouchons. Et oui, ces dernières années, on a eu le plaisir de découvrir ce que c'était les bouchons. Alors, c'est pas comme Paris, ça arrive juste aux heures de pointe, mais le fait qu'il y ait énormément de gens qui sont venus sur la ville, ça a quand même créé quelques problèmes. Et Hainan, c'est quoi? C'est l'île verte. Et Haikou, c'est la deuxième ville avec la meilleure qualité de l'air en Chine, la première étant Sanya au sud de l'île. Et c'est surtout l'endroit parfait pour tester grandeur nature le passage au tout électrique. Ça tombe bien parce que c'est ce que le gouvernement de Hainan a mis en place. Du coup, plein de constructeurs chinois s'y sont mis. Ça va de la petite voiture de ville à la plus grosse berline. Mais est-ce que les gens, eux, se sont mis à acheter des voitures électriques? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un test pas du tout scientifique. Alors pour ce test, j'ai pris un pont au hasard. Bon, c'est pas vraiment au hasard, mon bureau est là-bas et puis je vais souvent prendre mon café ici. Et on va regarder simplement les voitures qui arrivent et vérifier combien de voitures sont électriques. Comment on va faire? Ah bah c'est très simple, il suffit de regarder leurs plaques d'immatriculation. Si elles sont vertes, c'est qu'elles sont électriques. Nous donne 22%. Alors moi je commence à écrire mes scripts. Non mais je suis tellement déçu quoi. Moi aussi. Allez, en prime, vu que vous avez été sage, je vous refile une vidéo de la CloudScale Library. C'est un des musées les plus classes de Haikou. Il faut même prendre rendez-vous avant d'aller là-bas, tellement que c'est bondé. Alors bien sûr, la plupart des gens y vont, c'est pour se prendre en photo. De toute façon, tout le monde le sait, les livres c'est de la merde, l'avenir c'est TikTok. C'est fini pour moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Abonne-toi. Non, vraiment, fais un effort.